Tout le monde connaît. Madame la ministre, quand vous êtes venue à Lunel en février, c'est une période difficile et tendue, très tendue, pour tout le monde, pour les habitants, pour les élus que nous sommes et pour la République en général. Quand je suis allée voir Mireille Mencomri, c'était juste avant de rentrer dans l'hémicycle et je lui ai dit « on a besoin de toi à Lunel ». Donc elle s'est rajoutée au voyage officiel avec Bernard Cazeneuve et en partant, elle m'a donné rendez-vous le mardi d'après au même endroit avant de rentrer ici en me disant « vous avez besoin de quoi ?» parce que nous serons à votre disposition. Et ça, dans une période où les gens ne croient plus à la parole politique, 80% ne croient plus aux partis politiques, je crois que c'est important à souligner, pas pour nous, mais c'est pour la construction de la société que nous voulons demain pour nos enfants. Donc je voulais vraiment vous remercier, Madame la Ministre. Je me rends compte qu'il y a des talents partout. Vous savez, j'ai quasiment fait le tour des collèges, que ce soit en Bressou, Mistral, Victor Hugo ou Feuillade. Et dernièrement, c'était à Feuillade, on est resté, je crois, 3 heures à échanger avec la communauté éducative, que ce soit le monde associatif, que ce soit le monde de l'entreprise, que ce soit la gendarmerie, que ce soit tous les services de l'État. Je pense que chacun a du talent fort. Et donc, c'est pour ça que quand j'ai échangé avec Mireille Mencomri, elle m'a dit « mais c'est tout à fait la philosophie que je veux mettre en place sur la politique de la ville. » Alors, j'ose le dire. Politique de droite ou de gauche, on s'est un peu trompé pendant 30 ans. On s'est un peu trompé parce qu'on a voulu toujours mettre des emplois sur des jambes de bois, on n'est allé jamais au fond du problème. La mixité, c'est un vrai débat. Qu'est-ce que c'est que la mixité? Obliger les gens à vivre à côté? Est-ce qu'on vit sous ensemble? Est-ce qu'on vit ensemble? Qu'est-ce que c'est que la cohésion sociale? Qu'est-ce que c'est que la rénovation de la carte scolaire? On va continuer à avoir des ghettos de pauvres et des ghettos de riches. C'est pour ça que moi je suis ravi d'accueillir Madame la ministre, parce que je crois qu'elle partage cette philosophie. Ça ne sera pas facile, ça sera compliqué. Et je pense que la révolution, elle va commencer par nous d'abord. Parce que si on attend tout du pouvoir politique, qu'il soit de gauche ou de droite, il ne pourra pas tout faire. À faire ensemble, c'est à un moment d'avoir un processus de réflexion. Quand on est élu, c'est qu'on a des projets, une vision et une envie. Si l'élu arrive avec une feuille blanche dans un quartier, c'est pas bien qu'il soit élu, mais qu'il ait sa place. Il faut qu'il ait un projet de vision, mais ce projet doit être amendé par les experts. Parce que je pense, pour connaître les réponses, il faut vivre les questions. Et qui de mieux que l'habitant qui devient expert citoyen? Parce que tous les jours, il vit dans son quartier. Moi, quand je suis arrivé à Lunel, j'étais très bien accueilli de cette ville. Mais il y en a qui m'ont dit, tu comprends, t'es pas Pescalune. J'ai écouté, je suis pas Pescalune, je suis montpelliéraine depuis 5 générations, mais j'ai envie de vous aimer, j'ai envie d'échanger avec vous. Mais comme on m'a dit à Montpellier, dans les quartiers de Montpellier, les jeunes, ils me disaient, on veut pas jouer au foot, on interdit les créneaux à Lafayette parce qu'on est de Paul Valéry. Je disais aux mêmes jeunes, attendez, il n'y a pas de souci là. Toute la journée, vous me parlez de racisme, ce qui est vrai. Toute la journée, pas de stigmatisation, et vous refusez votre frère de la Mosson. Donc il faut que vous compreniez qu'on est tous frères dans cette société.